tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo officielle du retour de la chaîne. J'ai pas mal de travail en ce moment avec la photo, donc ça fait plaisir, il y a un petit peu d'argent qui rentre. K&F Concept ont pris le temps de me contacter pour faire une vidéo sur un de leurs nouveaux produits, le sac, le backpack Beta 20 litres de leur collection qui est juste sur mon dos. Et ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce sac, à qui il convient le mieux, ce que j'aime, ce que je n'aime pas non plus. Donc c'est un partenariat, ça n'a pas été payé. Ils m'ont juste demandé de faire une vidéo sur leur sac. Ils ne m'ont absolument pas demandé de leur faire des compliments, des louanges ou je ne sais quoi d'autre. Donc ça va être mon avis le plus honnête possible. Bon, sachant qu'ils me l'ont offert, donc je vous avoue que ça fait toujours plaisir. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous emmener avec le Hasselblad qui est juste ici, je le reprends, pour vous faire visiter les quartiers de Jungno et Eljilo. Donc je me balade un petit peu autour pour faire des photos à l'Hasselblad. Je suis revenu en Corée là depuis 2 semaines à peu près. J'essaie de tout régler, de tout organiser autour de moi. Et il faut que je reprenne un petit peu le temps pour faire quelques photos par-ci par-là à l'argentique et en particulier à la Hasselblad parce que j'avoue que c'est toujours un grand plaisir à l'utiliser. Bon alors ce sac, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Déjà, je vous avoue que le design du sac est plutôt sympa. Un truc que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas une tête de sac photo à proprement parler, même s'il a le petit logo trépied ici que je n'aime pas trop parce que bon, il suffit de le mettre dans la notice et ensuite on sait à quoi ça sert. Pas obligé de nous le mettre en gros devant ici, trépied. Mais sinon, la gueule du sac est vraiment très jolie. Il ne fait pas trop sac photo, il fait beaucoup plus sac de voyage, un petit peu urbain. C'est une des choses d'ailleurs qui va le faire adapter à un certain type de personnes et on va en parler un petit peu plus tard. Il y a différentes choses. Là, j'ai la poche de côté avec le Pocali Sweat qui est toujours aussi bon, qui fait super chaud. On a les attaches trépied qui sont juste devant pour mettre le trépied comme ça. Ça, c'est un truc, si vous avez un petit trépied, ça va. Mais dès que vous avez un trépied qui dépasse un petit peu, moi, ça m'est arrivé dans le métro, etc. On a vite fait de le taper un petit peu partout et ça devient vite gênant. Des poches latérales ici, ça pour un sac orienté photo, c'est obligatoire. On a à l'arrière la petite sangle pour y mettre sur une valise quand vous êtes à l'aéroport, etc. Des petits crochets en plus. Ici, par exemple, moi, j'ai mis le petit truc pour nettoyer les objectifs de Hama. Donc, ça s'accroche directement sur sa lanière. Ça permet d'avoir des accroches et des accès rapides. On a la petite sangle frontale pour attacher devant soi le sac. Ça aussi, dès qu'on marche un petit peu plus à la montagne, etc., c'est toujours appréciable. Et la poignée, bien évidemment, au-dessus pour le prendre. Et on a le compartiment de dessus que je vais vous présenter juste après. Mais en attendant, on va aller faire quelques photos. Est officiellement arrivé en Corée. Il fait une chaleur, mais bon, pour la Hasselblad, pour avoir suffisamment de lumière pour les photos, c'est pas pour déplaire. On va continuer à se balader dans le quartier. Là, je suis entre Jungno et Eljilo, qui sont un peu les deux quartiers que je préfère où il y a plein de petites choses qui se passent. On va continuer à enchaîner les photos, mais c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal hein, ce qu'on a. Vous avez en poche principale une grosse poche dorsale, on va dire, qui avec un gros compartiment photo et une poche du dessus qui va permettre d'avoir des choses un petit peu plus de la vie de tous les jours à attraper plus facilement. Vous avez pour ça avant d'y atteindre une petite partie hop, qui s'enlève du dessus qui est bien pour la protection de la pluie entre guillemets, j'ai envie de dire, parce qu'en plus de ça vous avez une autre protection waterproof se trouve à l'intérieur qui permet de d'étanchéifier un petit peu plus le sac pour les grosses moussons, on va dire, d'Asie. Néanmoins, vous avez la poche comme ça qui s'ouvre ici, vous avez une poche du dessus donc qui est modulable, qui permet d'avoir plein de petites choses. Moi ici j'ai ma sangle d'appareil photo, un chargeur, j'ai aussi sur les petites poches qui sont à l'intérieur là, de quoi ranger mes cartes SD, les batteries, etc. Et ensuite vous avez aussi d'autres petits compartiments. Donc ça c'est un truc qui est plutôt cool, vous avez plein de petits compartiments qui permettent de ranger et d'organiser votre sac plutôt bien, et ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Vous avez un petit
porte-clés ici qui détachent aussi facilement pour pouvoir récupérer les cartes, les clés d'hôtel, etc. Mais c'est quand même assez gros. On peut mettre un casque Sony, les gros casques Sony à l'intérieur, une Switch, un pull, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez le compartiment qui intéresse la plupart d'entre vous si vous êtes là pour de la photo. C'est le compartiment qui permet d'organiser tout ça. Et vous avez, comme vous pouvez le voir ici, une sécurité qui permet d'avoir le sac sur le ventre et de l'ouvrir et de pouvoir, on va dire, organiser, récupérer les trucs, changer d'objectif quand on est dans les endroits où on n'a pas envie de mettre le sac par terre. Je vous le cache pas, alors l'avantage c'est que c'est amovible, on peut l'enlever et ne pas du tout l'utiliser. Je trouve que c'est pas non plus trop utile, c'est pas quelque chose qu'on, dans la réalité qu'on va servir beaucoup, même ça paraît incroyable, on se dit « Ah c'est trop bien, c'est une nouvelle façon de récupérer cet objectif, on va pouvoir avoir tout en face de soi pour récupérer ce qu'on veut et s'organiser comme on veut ». Dans la réalité, je pense que ça ne va pas être trop pratique à utiliser, sachant qu'on a ça à rabattre devant soi. Vous avez vu avec Gloria ce que ça peut donner, mais ce n'est pas le plus pratique, je trouve. Donc, c'est assez fastidieux à mettre en place pour pouvoir l'utiliser. Et dans la réalité, il y a quand même beaucoup d'endroits où vous allez pouvoir mettre votre sac par terre. Il faut vraiment que vous soyez dans un endroit, même quand il y a du sable, ça passe. Il faut vraiment que vous soyez dans un endroit où il y a de la flotte de partout, de la boue, etc. pour utiliser ça. Mais c'est présent et c'est amovible, donc on va pas dire non. Donc vous avez la petite poche avec sécurisé pour mettre un ordinateur 15,6 pouces, je pense. J'ai compartimenté après avec différentes choses ici pour pouvoir mettre moi le Hasselblad, les objectifs sur le côté. Vous savez bien que moi j'aime pas mettre les caméras sur l'accès rapide. Je trouve que ça sert à rien quand on prend des photos, on a son appareil sur soi, pas dans le sac. Donc pour moi ça c'est une poche que je me sers pour pouvoir atteindre mes objectifs rapidement et facilement. Et je comprends pourquoi il n'y a pas d'autres sacs qui le vendent comme ça, parce que pour moi ranger son appareil rapidement, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est comme ça que vous allez gâcher la plupart de vos photos. Donc voilà, moi j'ai ça, j'ai le compartiment, ça me permet de mettre deux objectifs ici, de pouvoir les récupérer facilement ici avec deux accès. Je me suis mis une petite cloison ici pour pas que les objectifs s'entrechoquent. Donc là c'est vous avez aussi des parois ici que je vais vous montrer vite fait, hop, qui permettent d'être de tourner, qui sont assez amovibles et qui permettent de tourner autour des objectifs et de pouvoir mieux les protéger et de ne pas avoir les objectifs qui bougent une fois qu'ils sont dans le sac. Donc pourquoi pas, c'est toujours un petit plus. J'ai aussi d'autres petites poches ici qui permettent de ranger plein de choses. En général je mets mes filtres ici, des fois j'ai une pellicule qui traîne, je la mets ici, enfin bref vous voyez. Faut pas non plus trop remplir des trucs assez gros parce que une fois que vous avez ça sur le dos, vous risquez de le sentir. Ça permet d'organiser, d'avoir pas mal de choses plutôt pratiques. Une chose aussi que j'aime beaucoup, vous avez un accès pour ranger cartes SD, batterie, enfin des petites choses par-ci par-là. Donc avoir un accès rapide comme ça pour ce genre de choses, c'est très pratique et c'est le genre de choses que j'aimerais voir un petit peu plus souvent sur les sacs. Bon, une chose, il y a quand même des fils qui commencent à apparaître au bout d'une semaine par-ci par-là. Donc dans la fermeture éclair, c'est pas le plus pratique toujours. Continue de boire un coup et on va aller continuer de faire des photos, il fait trop chaud. Je finis ma Focalis 8 tant qu'elle est encore bonne. Et on a bien sûr la petite poche sur le côté pour ranger la bouteille. C'était même pas prévu, mais au moins vous voyez ce que ça donne. Donc pour la poche du dessus et à l'intérieur, de manière générale, c'est bien. D'ailleurs, la poche du dessus aussi, elle est séparée ici, mais vous pouvez enlever la séparation pour avoir une énorme poche et un énorme sac pour ranger un petit peu tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et les fermetures éclair aussi, alors elles avancent bien, mais vu que le sac n'est pas non plus ultra rigide, et d'ailleurs c'est un point dans lequel on va revenir juste après, ça ne se ferme pas toujours super facilement. Et ça, pareil aussi, c'est bien, c'est joli. Mais je trouve que ça gâche un petit peu la rapidité et l'ergonomie pour pouvoir accéder rapidement à certaines choses dans le sac. Mais sinon, c'est un joli sac. Bon allez, arrête, on va aller prendre des photos. Caméra à chaque fois. Est-ce que ce sac est le plus
adaptées. J'ai une utilisation de la photo qui est beaucoup plus pro, on va dire, beaucoup plus dynamique et régulière. Et c'est un sac qui, je trouve, a beaucoup de contraintes pour ce qui est d'utilisation rapide sur le terrain et aussi de la protection des appareils. Mais en parlant des protections, c'est aussi un sac qui essaye d'être le plus léger possible et qui n'est pas trop rigide, ce qui fait que si vous avez des appareils assez coûteux et que votre sac tombe, vous allez dans un endroit un petit peu compliqué, comme moi je fais des fois dans des zones un peu d'urbex aussi, il ne faut pas non plus le taper un peu partout, parce que si vous avez un objectif qui est juste à côté de la poche ici, ça peut être quelque chose qui risque de l'abîmer. Mais bon, c'est que dans les cas extrêmes, donc on ne va pas se le cacher, c'est je chipote un petit peu pour ce détail là. Donc bon, je pense que vous l'aurez compris, le sac Beta 20 litres de KNF Concept est, je trouve, parfait pour les voyageurs amateurs de photographie qui ont un petit peu plus de matériel que la normale. Ça sera parfait, ça permet d'avoir un très très bon compromis entre photos et voyage et effets personnels, etc. Le sac a une très bonne gueule, c'est un des plus beaux sacs que j'ai vu orienté photographie que j'ai pu voir. La plupart des autres sacs, c'est très technique et c'est le genre de choses des fois qu'on a un petit peu peur d'avoir sur le dos, parce qu'on est très spot photographe, on va dire, ou en tout cas avec du matériel qui vaut cher dedans. Donc ça passe partout. Et pareil, en termes du format qu'ils ont choisi de 20 litres, je trouve que c'est un très bon compromis entre un sac pas trop gros, qui passe un petit peu partout, mais suffisamment gros pour pouvoir vous accompagner sur les petits week-ends, les petits voyages, les petits séjours. Pour le côté professionnel, moi je pense que c'est un sac que je vais pas utiliser plus que ça. J'ai un besoin pro, on va dire, avec beaucoup plus de matériel et d'accès rapide pour pas louper mes photos, etc., qui ne me convient pas trop avec ce sac là. Mais pour le voyage, si jamais je pars juste faire un séjour et que j'ai juste besoin de prendre mon petit argentique avec moi, ou la Sublad, on va dire, avec un objectif en plus, et juste ça, normalement je suis tranquille et ça me permet de couvrir un petit peu tout ce dont j'ai besoin. Et encore une fois, je le répète, mais les poches du côté, s'il vous plaît, mettez pas votre appareil photo, mettez des objectifs. Vous êtes censé prendre des choses rapidement ici. L'appareil photo, si vous voulez prendre des jolies photos, faut l'avoir sur vous et pas ranger dans le sac à louper toutes les occasions possibles de faire de la photographie. Bon, je vous retrouve avec Gloria pour la fin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on fait la conclusion avec Gloria que vous avez vue en début de vidéo. I think that it's really good for traveling. I really like the style, the green and dark gray. It has a lot of pockets and places to store things, so that's really convenient. It's comfortable and there's plenty of straps to, you know, kind of tie everything in. So yeah, I liked it. It was a nice bag. Très gentil de la part de KNF Concept qui me fait confiance avec ma toute petite chaîne, qui a une marque qui est assez grosse maintenant. On va voir, est-ce que celui-ci est pour vous et pour des voyageurs, photographes, amateurs, on va dire, occasionnels. Je trouve que c'est un très bon entre-deux, un sac hybride qui conviendra, je pense, à beaucoup de monde. Et pour finir, merci Gloria, thank you very much for helping me on this video, for this little small trailer at the beginning. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, je vous mettrai sur Instagram et sa chaîne YouTube. Will you make another video soon? It's coming. Merci beaucoup tout le monde d'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ce sera avec KNF Concept, mais en tout cas, ça sera sûrement sur la photo. Il faut aussi que je vous parle de la Corée avec mon PVT que j'ai fait pendant un an, de vous faire un petit résumé. Je vais aussi peut-être vous parler de l'IA, de Photoshop, de ce que j'en pense, parce que c'est, il y a des petites choses que j'aime un peu moins. Bref, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube. Pensez bien à vous abonner. C'était Antoine. Ciao.